Bonjour, c'est Lucie et je suis maître compostrice. Je vais maintenant vous expliquer comment bien démarrer votre projet de compostage avec votre composteur. Avant de déposer vos premiers apports, vous pouvez déposer une couche de 5-10 cm de matière sèche au fond du composteur. La matière sèche, ça va être du broyat de bois, ça va être des petites feuilles mortes que vous allez avoir récupérées dans votre jardin, ou éventuellement des boîtes d'œufs en petits morceaux ou des rouleaux de papier toilette que vous aurez déchirés en petits morceaux. Une fois que vous avez déposé dans le fond de votre composteur cette première couche de paillage, vous allez pouvoir apporter les premiers biodéchets alimentaires qui vont être constitués d'épluchures de fruits et de légumes, de restes de repas, de coquilles d'œufs, de barres de café, etc., etc. Pensez surtout à les fragmenter en petits morceaux quand vous les déposez dans votre composteur. Et puis il faudra aussi penser à brasser régulièrement. En termes d'équilibre entre le frais et le sec, c'est à peu près 50-50. Ce n'est pas une science exacte, mais ça fonctionne à peu près avec ces proportions.